Les 54, ça va, 54. On va entamer le débrief. On va entamer le débrief dans quelques instants. Je vous laisse arriver, mais, ça va se lancer là. On y est, donc on est le 27 août 2023. Et il y a un débrief. Débrief. Ça marche ou pas? Ouais, c'est bon. Et pour ce qui concerne le yu-yu, d'abord je commence le débrief et après on va parler de ce qui s'est passé hier. Alors pour l'instant, bien le bonjour. Bonjour, 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 bonjour. On parlera de ce qui s'est passé hier, bien entendu, mais d'abord, je vais commencer par ce qui s'est passé il y a... Bah, au début de la semaine, quoi. Début de semaine. Parce que j'avais commencé dimanche dernier en titrant « C'est la rentrée, soyez prêts, ça va à tout, ça va secouer ». Ensuite, lundi, j'ai commencé par dire « Bien rentré, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» La routine. Ça, c'était le début. Reposer en forme. Ouais. Bien sûr, à 28 ans, on récupère facilement. Alors, j'ai titré « Bien rentré », alors qu'est-ce qu'on fait maintenant, la routine ? Ça, c'était pour un Twitch, ça, j'ai l'impression. Sinon, dès mardi, j'ai titré « C'est stupéfiant, c'est la faute au réchauffement ». Ça va bien ? Ouais, ça va bien. Tout va bien, ouais. Tout se passe bien. Et puis, sur un Twitch cette semaine, j'ai eu donc deux invités, tout pour les enfants avec Nora et Maurice, avec ce qui va se passer le 6 septembre. Ils auront le temps de vous en reparler. Après, j'ai voulu parler du grand crack financier comme en 2008. Au niveau de l'économie, je vous en reparlerai. Il faut vraiment que j'investigue, à voir si ça ne peut pas se reporter régulièrement, parce que finalement, ça fait longtemps que ça s'écroule. On est dedans. Tracé comme jamais, on est parti sur un Twitch. Doit-on apprendre à vivre dans un monde en guerre? Et ensuite, j'ai titré Une guerre des nerfs. Et on était parti aussi avec Lelou, qui est passé nous voir ce vendredi à 15h15. Fais gaffe, par David Lelou. J'ai voulu titrer aussi sur un Twitch du soir, ça s'accélère, les largués vont être encore plus largués. Et puis hier, on va en parler aussi avec... On va être deux pour en parler hier, mais je préfère laisser parler mon invité de ce jour, qui était là il y a quelques secondes, mais qui est parti je sais pas où. Et là, on a le soleil qui revient. Donc, je voulais faire un rapide débrief pour vous parler. Enfin, plutôt, je vais laisser parler... hein, tu vas nous parler de ce qui s'est passé hier? Ouais. Il rigole déjà. Il rigole déjà. Sinon, moi, je vous ai dit, voilà, je vous ai dit « Tracé comme jamais ». Ah oui, j'avais aussi fait donc un grand crack financier comme en 2008. On était parti avec Nora et Maurice, tout pour les enfants. On a vu David Lelou vendredi. Et j'ai même titré « C'est stupéfiant, c'est la faute au réchauffement ». Parce que j'ai voulu vous parler de ce qui nous tombe sur la tronche régulièrement avec les faits divers. J'en ai marre des faits divers. Tout le temps des faits divers. Est-ce qu'on peut vraiment avoir d'autres infos en France ils s'en foutent, ils peuvent durer comme ça pendant des mois et des années pour nous parler sans arrêt des mêmes sujets. Et puis pour ce qui s'est passé hier, ben voilà, je suis avec... Hey Philippe. Bonjour tout le monde. Bonjour tout seul. T'es parti, tu m'as abandonné là, j'ai eu peur. Moi je suis allé... Non, dis pas, dis pas. Ouais, non, je sais pas. C'est fermé, on est en France. J'ai des choses qui... C'est fermé. Le décor, c'est génial. Ah, puis comme ça, je suis un petit peu en repos là. Avec Lelou, il a beaucoup parlé. Nora et Maurice, je parlais pas non plus. Et puis là, comme j'ai pas trop envie de. En fait, j'aurais plein de choses à dire, mais je sais pas si je dois les dire quoi. Comment et ça? Toi, bah, par rapport à où on est allé hier. Bah, on va discuter, et puis tu diras ce que t'as à dire. J'ai lu qu'il y avait quelqu'un qui disait que quelqu'un avait dit que c'était un repère d'Antifa.
Et hier, quand je suis parti filmer avec les vélos, bah, ils ont fait Siamo Tutti antifasciste. Ah bah, c'est pas ce qu'ils disaient, mais ils disaient ça. C'était pas les mêmes paroles, mais c'était le même rythme. Bon, non, voilà. Il y a une collusion. Moi, je suis parti filmer les gilets jaunes hier, hein. Je pensais pas à la Montreuil. Hein. Moi non plus. Non, c'est... Donc c'est... Je préfère filmer les manifs de Français, de gilets jaunes, si c'est pour filmer d'autres manifs, j'étais pas parti pour ça. Quoi. J'ai déjà fait, hein. Mais après, les gilets jaunes veulent aider, veulent s'intégrer. On te dit, on n'est pas assez nombreux, il faut aller, il y a du monde. Mais le but, c'est vraiment de manifester pour aller, il y a du monde. Bah, on a eu l'exemple typique, hier, de privilégier le nombre plutôt que, plutôt que l'authenticité. Si t'as des choses à dire, tu les dis. Si t'es 12, tu les dis à 12, c'est bien. On est avec Philippe, que vous connaissez ou pas, qui est gilet jaune, et avec qui on a fait On the Road Again, enfin deux fois le road trip. Et puis sinon, ça fait déjà plus d'un an qu'on se voit. Alors je suis gilet jaune de cœur depuis ma naissance, en fait, moi. Mmh. Et quand je suis venu rejoindre des personnes, des gilets jaunes, il y a plus d'un an maintenant, je suis venu rejoindre des personnes. Et j'ai pas porté le gilet jaune tout de suite parce que je m'en sentais pas digne. Les gilets jaunes, quand on voit ce qu'ils ont pris, je me voyais pas. C'est un peu comme une médaille que je m'autorisais pas à porter dans la mesure où je suis arrivé après la bagarre. Ah. C'est un peu ça. La bagarre. Mais après, d'un point de vue, je rejoins Dan, c'est-à-dire que si on est OK avec les fondamentaux des gilets jaunes. Et le fondamental des gilets jaunes, c'est simple, c'est on revient à l'humain, quoi. On voit les aspects politiques et autres qui nous sont présentés, et ce qui ressort pour aller chercher une solution, c'est avant tout l'aspect humain. Et pour moi, c'est ça, le gilet jaune, c'est le cœur, c'est la loyauté, la détermination, l'empathie, c'est tout ça. Bon, maintenant, quand je vois ce qui s'est passé hier... Tu m'as dit que vous aviez passé pas mal de temps au métro. Ah ouais. Alors hier, non, bah, c'était marrant. Un métro, je l'ai pris avec vous au départ, il y avait le loup. Ouais. Et après, je vous ai quitté parce qu'il y avait des vélos. Mais bon, je prends le métro, je le prends presque jamais. Donc, alors déjà, le truc, c'est que moi, Olivier... c'est Olivier Gerbier qui a organisé, en fait, la... Ouais. Qui a déclaré la manif, je ne sais plus où c'était le départ. La mairie du 19e, voilà. Devant les buts de Chaumont. Voilà, il a annulé la manif. Alors on arrive et c'est annulé en fait. Mmh. Bon, donc on est. Avec le matos. Maurice avait la sono, enfin voilà quoi. Et Maurice après il a suivi dans le métro avec la sono. Mais tout le monde, ouais, tout le monde. Suivi, on était venu. Bon. Et après le truc c'est donc Olivier annule. Alors il dit à tout le monde en fait, il prévient tout le monde qu'on annule parce qu'on n'est pas assez. On était quand même une bonne trentaine, hein, 30-40. Je vais lire les commentaires, après je ne suis pas responsable de ce que dit Luc. Hein. Et Rémi, hier c'était très très bizarre, on avait l'insentiment d'être dans une loge. La loge des frères brouteurs de Luzerne et les sœurs brouteuses de Gazon Maudit. Non mais c'est honnêtement... C'est pour ça que je précise que j'ai lu les commentaires. Hier j'ai envoyé un message à Rémi, je dis putain, est-ce que je peux venir demain parce que j'ai des trucs à te raconter quoi. Donc, manif annulé, ok. Qu'est-ce qu'on fait? On va rejoindre le convoi de l'eau là, ça fait 4 jours qu'ils sont à vélo, ils manifestent. Ça faisait 4 jours? Ben ouais, je crois. Ouais. Tours, Orléans, etc. Enfin bon, c'était. C'est un peu le convoi des. Cette idée de convergence avec ceux qui sont partis du côté de Sainte-Soline. Voilà, contre les méga bassines. Donc, au demeurant, voilà, un sujet de fond. Voilà. Mais dans ces cas-là, c'est toujours pareil. On part d'un truc vrai, et ce qui se fait autour, mais c'est toute l'interprétation que les gens s'en donnent. Et le truc, c'est qu'on s'est retrouvé, en fait, alors déjà, dans un premier temps, un sketch, parce que, je vous rappelle, la manif a été annulée parce qu'on n'était pas assez de monde. Et donc on a passé en fait, l'objectif c'est de les rejoindre,
Sauf que on est arrivé à Bastille. Ils devaient tous arriver à Bastille. Et ils étaient, il y avait un groupe à vélo, puis un groupe à pied. Et on s'est dit, bon, bah, on va les suivre. Mais on a suivi le groupe à vélo. D'ailleurs, quand j'ai vu à un moment donné, tiens, bah, ils sont arrivés où? J'ai dit, bah, attends, je vais aller voir Rémi. Sur sa chaîne. Et je le voyais, il cavalait. Et respect à Rémi. Il est parti de Bastille jusqu'à Montreuil, mairie de Montreuil. Dans Montreuil. À ouais, pied. Ouais, jusqu'à la mairie. Ouais. À pied. Si vous avez un Oise ou un truc là pour mesurer le truc. Il y a entre 5 et 6 km. Bon, quand même quoi. Mais il les a fait en courant. Cavalet. Donc déjà le sketch. Et nous, à notre niveau, à chaque fois qu'on a pris le métro, on arrivait genre une station avant. On sort, ah bah putain, ils sont vachement loin. Bon, on redescend dans le métro, on va... Finalement... Il y avait aussi une fanfare. Attends, je voulais te dire, il y a Mustapha qui est là. C'est Mustapha. T'as couru avec moi. Merci Mustapha pour la bouteille et merci d'avoir fait un petit bout de route. Un grand bout de route avec moi, avec tout le monde. C'était bien sympa de se voir. Bah, Mustapha était avec nous, il est là. C'est Hakim Salam Alikoum, voilà. Il s'appelle comme ça. D'accord. Sur YouTube. Donc voilà, c'était assez surréaliste. Donc nous, déjà, manif annulée et manif dans le métro. Moi, c'est la première chose, voilà, c'est la première fois que ça m'arrive. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que on était quand même 30, une bonne trentaine hein, à naviguer en sous-main. Et alors, le truc, c'est que bah, ça s'organise, quoi. Les premiers attendent les derniers, parce que dans les couloirs, ça peut être emmerdant. Et derrière, on est... Pas TikTok. On est... Donc, c'était assez marrant à voir. On a chanté dans le train et tout. Donc, on a rencontré des gens. Dans le wagon, alors. Voilà, ça pouvait être sympa. Ouais, dans le wagon. Et puis, bah, finalement, on s'est dit, bon, allez, on va arriver direct, Croix de Chavaux, comme ça. Ouais, Croix de Chavaux. Bah, vaut mieux arriver avant qu'ils arrivent, puisque comme ça va être plus simple de les rattraper, quoi. Et j'étais parti avant que vous n'arriviez. Ouais. Ouais, t'es au taf, hein, t'es pas là pour faire mumuse. Et alors, une fois arrivé sur place, pareil, grand sketch. Moi, je croyais qu'on était là pour les méga-bassines, parler de l'eau, tout ça, quoi. Ouais. Des problèmes importants, fondamentaux. Et en fait, on s'est retrouvé avec. Parce que dans le squat où on est arrivé, là. Ils disent pas, ils disent lieu alternatif. Ils disent pas squat. Oui, parce qu'en fait, on n'y dort pas. C'est un lieu alternatif. Un lieu alternatif. Il y a un programme encore, il y a un festival, il y a plein de choses. Voilà. Alors, mais le truc, c'est qu'il y a un squat, là, pour le coup. LGBTQ, plus, mais enfin, plutôt voilà, de cette tendance-là, qui a été fermé une semaine avant. Ce qui fait que bah, ces gens-là se sont rabattus sur le lieu, comment ils appellent, artistique. Le lieu alternatif. Le lieu alternatif. C'est bah, pas en continu, c'est en alternatif. C'est ça, où tout le monde est arrivé. Donc, il y a eu une concentration d'un coup de plein de gens différents. Donc, les méga-bassines, les LGBTQ+, à un moment donné, on a même vu arriver des Black Blocs. Mais putain, c'est... Ils se sont donné rendez-vous, quoi. Antifa, alors. Peut-être pas Antifa, plutôt. On dit qu'il y a beaucoup d'Antifa, là-bas. De toute façon, ils l'ont chanté, hein, Siamo Tutsi, ouais, plutôt. Ouais, alors, les c'était anti, pas avec les, mêmes, c'était avec les mêmes paroles. J'ai pas entendu si, ces si, paroles-là, si, moi. Nous sommes tous des antifascistes. Après, derrière les cagoules, tu reconnais pas les gens. Des fois, t'en connais, des fois, t'en connais pas. Tu sais pas s'ils sont bienveillants. Ouais. Bon, enfin, c'était très... alors, très particulier, jusqu'à ce que je comprenne, en fait, que bah, tout ça, c'est la même agence. Ça, c'est la même agence. C'est on prend un sujet politiquement important, même agence. Délicat, les méga bassines, avec tout ce qui s'est passé là-bas, parce que ça a cartonné quand même hein, à Sainte-Céline. Ouais. Et derrière, on l'amène gentiment par le biais de ces diverses bah, à se dissoudre dans un truc qui n'a ni queue ni tête, quoi. Et en fait, j'ai senti un piège. C'est un piège pour moi, rejoindre quelque ouais. chose de fondamental comme l'eau, les bassines, etc. Et au bout du compte, on parle de tout sauf de ça. Marrant.
Bon, après, on est entouré de personnes qui veulent pas qu'on les filme et qui veulent porter un message, mais entre eux, donc, à un moment donné, si tout le monde n'est pas bienvenu, ils sont là pour un message de tolérance alors qu'ils sont pas tolérants pour certains. Bah, en gros, c'est ce qui est... Il faut la carte, il faut... C'est ce qui ressort. Il faut que tu puisses badger, moi j'ai pas le badge. Hein. Parce qu'après, il y avait une soirée ou un truc, bah, c'est un lieu artistique, donc je... Bah... Allez-y, profitez-en, montrez-nous ce que vous faites, ce que vous savez faire et tout. Après, il y a peut-être de la bienveillance, mais c'est la surveillance du bien. Donc c'est bien pour eux, mais c'est pas bien pour toi. Donc alors, tu as compris, il y en a qui sont fait dégager. Il y a un phénomène badge, c'est-à-dire que si tu fais pas partie de l'agence, ne serait-ce que par état d'esprit... Oui, non, on parle pas de sexe, hein, ni de comment dire... de genre, ou ni d'attirance sexuelle. C'est parce que tu fais pas partie de leur cercle et ils savent très bien que donc ils filtrent pas avec eux. Voilà. Alors le loup, lui, il trace, il est chez lui partout, le loup, mais c'est une éclate. Je sais pas ce qui s'est passé derrière, voilà. Puis ça m'a pas intéressé parce que de toute façon, j'ai cette intolérance est devenue prégnante. Ouais, ça. C'est, ça crée une ambiance autour qui, de toute façon, cet état d'esprit, elle est... J'ai pu supporter quoi. Donc j'ai dit je me casse. C'est pas la peine, c'est un gros piège cette histoire. Bon, en demeurant quand même, j'ai rencontré quelques personnes sympathiques, notamment ceux qui étaient venus à vélo, discuter avec deux, trois. Voilà. C'était assez sympa, mais pour le reste, qu'est-ce qu'on. Bah, dans le métro, voilà, on s'est bien marré. Ils continuaient de chanter dans le métro ? Chanter quoi? Non, non. Voilà, quand j'étais avec toi, quand tu étais avec le loup, ils étaient en train de chanter. C'est sûr que 30-40, des fois on prenait 2-3 wagons à nous tous. On discutait entre nous, on était. Non, c'était. C'était amusant, mais évidemment, rien de constructif là-dedans. Donc, après, il y avait les gens qui marchaient à pied, il y avait une vingtaine de personnes. Hein. Et en même temps, ils n'étaient pas forcément aussi nombreux que ça. Hein. Alors on parle de certains qui manifestent samedi comme les gilets jaunes, ils sont pas assez nombreux, mais bon là, si en plus ceux qui voulaient manifester, qui sont venus hier pour manifester, pour commencer mairie du 19e ont été déçus, toi tu viens à la mairie du 19e, bah, tu penses pas à la Montreuil. Moi j'ai un principe, ça nous était déjà arrivé sur une manif déclarée par Guillaume, on était place Stalingrad, et au moment de partir, on était 10-12. Ouais. Il a voulu annuler. Je dis, mais c'est hors de question. Le trajet est prévu, tout est prévu, la sono est là, les gens se sont déplacés. Je suis pas déclarant, mais annuler, c'est pas bon, annuler. Hein. C'est jamais bon. Jamais, c'est hors jamais, de question. Jamais. Et je dis, moi, je serais tout seul avec le truc. Le parcours est validé, tout est validé. Il y a toujours des gens qui viennent en cours de route. Donc voilà. Et on a besoin de personnes pour porter notre parole. C'est surtout ça l'important. Le nombre. Annuler, c'est se tirer des balles dans le pied. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis, maintenant tu peux te dire, ah bah, si on n'est pas nombreux, ça va pas se faire. Donc je viens pas. Donc ils vont être moins nombreux. En fait, annuler, c'est se tirer des balles dans le pied. Donc déjà, annuler, c'est pas construire. C'est déconstruire aussi. D'office. Et annuler pour rejoindre ça, c'est se décrédibiliser. En plus. Ouais. C'est mon point de vue. Bon, donc... Donc il y a des gilets jaunes qui se font prendre en otage. Pensiez venir à tel endroit, bah non, c'est plus là. Il faut se dépêcher pour être là, il faut courir après, on sait même pas où ils sont. Il faut vraiment se dépêcher. Vous vous rendez compte, il fallait soit courir après les vélos, soit savoir où ils sont pour ceux qui venaient aussi à pied. Et après, je les ai vus passer plus tard. Ou alors suivre des gilets jaunes dans le métro, alors, compliqué. Hein. Ouais, non, mais c'est... Voilà. Et tout le monde essaye de se retrouver dans le n'importe quoi. Et justement, le n'importe quoi est créé pour que personne s'y retrouve. Mais je suis assez d'accord avec toi, Luc. Perso, j'ai ressenti une grande vacuité dans cette manif. De l'entre-soi à l'état pur, le même qu'il dénonce à longueur de temps. Ouais, non, mais c'est ça. Mais après, techniquement, c'est futé, c'est rusé. C'est rusé. C'est rusé pour qui ? Alors ça, je laisse à chacun le soin de répondre à cette question. C'est pas à moi de répondre à cette question. C'est rusé ? Mais quand je dis c'est rusé, je dis que c'est en partant des conséquences qu'on peut remonter tel le saumon jusqu'à l'intention qui a pu créer les conditions d'une telle vacuité.
Et ouais, à un moment donné, si on n'a pas deux, trois principes simples sur lesquels s'appuyer pour être certain de ne pas rentrer dans un jeu qui va... Voilà, ne pas annuler une manif, ça fait partie des principes de base, quoi, à avoir en tête. Ouais. Mais bon, non, mais expérience intéressante. Bah, j'ai vécu... On a beaucoup marché dans le métro avec le loup. Donc ça a permis aussi de se dire plein de choses entre nous, hein, parce qu'on a discuté entre nous. Pas de caméra. Merci Clotilde, merci vous tous. Ouais, et quelque part, je couvre un peu, je filme un peu ce qui se passe. Je fais les formes, prendre le métro. Mais si j'étais donc manifestant, c'est bon, je reviens pas. Hein. Ou j'arrête pas, c'est bon. C'est pour aller à Montreuil, c'est bon, je vais pas. Ah non, je suis pas manifestant. Bon, après... Et c'est pour ça, bon, gilet jaune, de toute façon, gilet jaune, on sait qu'on a été... On a été infiltré par la gauche. Je m'arrête à la gauche. Parce que, de toute façon, la gauche, c'est ça. C'est cet état d'esprit qui consiste à exploiter les bonnes intentions et les intentions sincères, cranter dessus et aller les faire dériver vers... comment on appelle ça, le rien, le vide sidéral, le ça n'aboutira de toute façon à rien. Il y en a pour qui LFI NUPES c'est une religion. Merluche et compagnie, derrière il y a Macron. Après, si vous pensez qu'il faut aller. En fait, on est parti avec des manifestations pour soutenir. Il faut voir un peu ceux qui sont exprimés hier. Pour certains, hein, ils l'ont dit, hein, ils sont avec les politiques. Hein. Ils sont avec des politiques d'extrême gauche et de gauche. Donc derrière, vous avez Macron. Donc quelque part, si vous êtes avec des manifestants qui sont avec le pouvoir, qu'est-ce que vous faites en tant que gilet jaune avec des manifestants qui sont avec le pouvoir? C'est des macronistes. Alors si vous ne comprenez pas, bah, allez chercher, je ne peux pas vous expliquer. De toute façon, on était au cœur de ça. C'est fatigant. Si vous ne savez pas que Merluche, il est avec Macron, à un moment donné, ça va. Quoi. C'est dans une religion où vous êtes avec votre roi, ou votre dieu Merluche, c'est bon. En plus, il a aucun mandat, il est au quoi. Enfin, il va revenir pour 2027. Ça fait combien les gilets jaunes, ça fait 5 ans. Ouais, bientôt. La crise coco, ça fait 4 ans. 3 ans. Ouais, 3 ans. Honnêtement, ce qu'on était il y a 3 ou 5 ans, on n'a plus rien à voir avec ce qu'on est aujourd'hui. Tous autant qu'on est. On n'a pas tous cranté au même endroit, mais une chose est certaine, c'est qu'on est tous différents. Qu'est-ce qu'il a fallu comprendre une bonne fois pour toutes pour éviter les pièges et les choses trappes qu'on nous tend depuis des dizaines et des dizaines d'années, si ce n'est pas des siècles. Il a bien fallu, à un moment donné, se prendre toute cette réalité en pleine tête, l'avaler, parce que quand on sait jamais... On n'est jamais content de voir qu'on s'est fait niquer, quand même. Et puis, à un moment donné, changer les règles intérieures. C'est-à-dire que jusqu'ici, je croyais ça. Aujourd'hui, il faut que je crante sur le fait que, dès que ça se présente comme ça, je sais qu'on est en train de me niquer. Tu vois ? Ouais, il y a Sébastien qui dit « Je suis bien d'accord pour ne jamais annuler une manifestation ». Bah oui, Sébastien. Ouais. Bah, tu sais bien, c'est une question de respect. Tu parles, toi, qui en a déclaré plusieurs, même pas mal. Hier, il y avait les pancartes ou les banderoles, LFI, il y avait Attaque, il y avait aussi Extinction Rebellion. Vous savez qui c'est derrière ? À un moment donné, on n'est pas avec des gens qui sont contre le pouvoir. Quoi. C'est... Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils s'affichent. Pourquoi pas les filmer ? J'ai déjà fait, pardon, mais je peux les filmer, j'ai pas de soucis. Mais pour les gilets jaunes qui comprennent rien, bah... Donc après, et c'est ça, moi, qui est un peu dérangeant, c'est qu'à un moment donné, si on ne crante pas définitivement, enfin de façon catégorique, sur le fait que il y a une ligne de flottaison et que cette ligne de flottaison, il y a un au-dessus et un en-dessous, l'idée c'est d'arrêter de tomber en dessous à chaque fois et de mettre 5 ans pour se réveiller et se dire ah, putain, ça fait niquer quoi. Donc ouais, hier c'était réunion c'est des ramifications de choses qui ne sont là que pour servir les intérêts de ceux qui nous oppriment. Point. Ils sont pas là. Ils veulent notre bien. Ouais. Je conchis les gens qui veulent du bien.
Ouais, puis il n'y a pas de convergence en fait. Donc, il ne peut pas y avoir de convergence parce qu'il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect. Quand on est arrivé là-bas, en gros, fallait un badge. Fallait. Donc voilà, mais c'est une question d'ambiance, c'est une question de. Moi, je reste persuadé que les intentions créent une bulle, une énergie autour de soi, autour de. qui fait que. Elles précèdent. Et on est plus ou moins sensible à ça. Mais hier, quand j'ai vu la tournure que ça prenait, etc., je dis, mais laisse tomber, c'est un chausse-trappe, c'est une arnaque, c'est un. Et à aucun moment, il y a eu volonté de. Même pas de convergence, ne serait-ce que de discussion. Il n'y a pas eu de. Il y en a foutre. C'est moi, j'existe, j'impose mes règles. Si t'es pas d'accord, j'envoie mon service d'ordre. Donc voilà, c'est. Mais c'était intéressant comme journée. C'était intéressant. C'est intéressant, je parle pour Luc, d'être au cœur de la machina telle que ça fonctionne pour voir. Pour se convaincre qu'effectivement, on a raison, on n'a pas tort, en tout cas. C'est comme ça que ça se danse. Ouais. Et puis lui qui nous disait... Il y a un dissident à roulette qui a trouvé tout ça formidable. Un dissident à roulette, ouais. La manif, une occasion de se rencontrer entre copains. Quelle manif ? Ouais, la convergence, le GJ, la convergence gauche-droite, extrême-centre... On s'en fout tous ensemble à où ? À où ? À où avec quoi ? Avec une bière à la main ou à où quoi ? Convergence pourquoi ? À République tous les jours, vous avez convergence avec une bière à la main. Vous pouvez aller à République tous les jours. Hein. Convergence. C'est pas la convergence qu'il faut, c'est l'union. Et l'union, on l'a pas avec tout le monde. À où convergence ? Faut sortir des agrégores qui veulent rien dire. Luc, on a perdu hier tout ce que je peux détester dans la mouvance LGBTQIA+. Et c'est moi un gay qui vous le dit. Et heureusement que tu nous le dis, parce que sinon on serait mal. Hein. Hey. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que maintenant il n'y a que les gays qui peuvent en parler, parce que si on n'est pas gay, il faut qu'on la ferme. Il serait temps que les gays prennent la parole pour pareil, dire. Mais attends, toujours pareil dans ce pays. Si t'es pas gay, tu la fermes. Donc, d'accord. Bon, les gays, vous exprimez, c'est bien. Mais on peut aussi le penser sans forcément le dire, sinon on va se faire taper dessus. Merci Luc. Mais c'est là le grand paradoxe qu'ils essayent de faire avaler à tout le monde, c'est que sous prétexte de tolérance, on devrait accepter l'intolérance. On en est là quoi. On marche sur la tête. Merco, on est au rond-point, on n'a pas lâché, tu parles trop vite Rémi. Non mais tu disais à où convergence par rapport, je pensais, on parle de ce qui s'est passé à Paris. Après sur vos ronds-points, vous avez le droit, bien sûr. Et je ne rentre pas dedans. Mais on est en train de. Je pense à la convergence, on n'est pas sur une convergence quoi. Je suis gay mais pas une molasse. Précision importante. Ok. Allez les mecs, tous gays. Non, on choisit ou pas, mais des fois il y en a qui pensent qu'ils choisissent, d'autres pas, mais voilà, on peut pas se refaire. Quoi. On est qui on est quoi. Bon mais dans ces conditions-là, enfin. Et tout le monde va prendre la parole. Non mais hier c'était pas parce que t'étais pas gay que tu pouvais pas prendre la parole. Hier c'est parce que quelque part t'étais pas identifié. C'est pas comme ça. T'as pas à montrer que t'es gay pour rentrer ou pour parler. Mais j'ai même pas cherché à rentrer. Ils ont dû comprendre où étaient les gilets jaunes, ils étaient pas bienvenus forcément. Ils sont même fait dégager pour certains. Mais ouais. Christophe. Donc les gilets jaunes. Ouais mais pas Christophe, bon, il est gentil Christophe. Hein. J'aime pas dire du mal des gens, mais c'est vrai, il est gentil. T'es con. Non mais tout le monde l'aime bien Christophe, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on peut plus le gérer. Et puis. Il a dû crier un peu fort. Alors. Et puis, voilà, à un moment donné, ça fait partie des gens qui sont en réaction immédiate, quoi. Il n'y a pas de temps. C'est pouf, il y a rupture tout de suite. Véronique sur Facebook, donc il faut être RN. Non, il faut pas être RN. Ça veut dire quoi RN ? Tiens, ah, parce qu'on a, parce que j'ai nommé LFI. Alors, s'il faut pas être LFI, j'ai pas dit qu'il fallait pas être LFI. Vous êtes qui vous êtes ? LFI ou RN ? On est en train de vous dire ce qu'il y avait hier comme panneau, comme drapeau. Il ne s'agit pas de ne pas être LFI ou d'être RN, ou de ne pas être RN pour être LFI. Il s'agit de voir qui sont ces personnes qui mettent en avant des partis politiques, c'est tout. Moi, j'ai rien contre vous si vous êtes RN ou LFI.
chacun son truc. L'important, c'est d'être ce qu'on a envie d'être, ça soi-même, déjà. Ça ne me dérange pas. Mais moi, perso, on arrive à identifier. Les gens s'identifient. On sait bien que ce n'est pas donc, des manifs contre le pouvoir ou contre les politiques. C'est les manifs avec certains politiques, voilà. Et donc avec le pouvoir. Donc pro, on sait, on a compris, Macron. C'est tout. Oui, ouais, oui, ouais. Faut le dire. Ouais, mais il y en a plein qui vont pas être d'accord avec ça, mais oui. Mais objectivement, qu'on soit pas d'accord, moi, ça, ok, on a le droit de pas être d'accord. Mais démontrez-moi que dans ce cas-là, ce que je raconte est pas vrai. Ouais, c'est difficile en direct, mais bon. Parce que techniquement, c'est comme ça que ça se danse. Pendant un an et demi de campagne présidentielle, Merluche a quand même fait bataille contre. Contre Jupipi, et au soir du premier tour, putain, il n'a pas fallu 2 minutes 30 pour qu'il invite 5 fois. Le Merluche, il a dit aussi, la République, c'est lui. Et qui sont ces personnes qui ont envie encore de la République, ou des gilets jaunes qui n'ont pas compris, ou qui ne veulent pas comprendre, ou qui ont envie de la République. C'est-à-dire, la République, c'est lui. Bah voilà, la République, c'est lui. Pour certains, LFI, c'est une religion. Bah, moi, je suis pas dans la religion. Je vais revenir sur ce que tu dis, Luc, l'image détestable des GJ. Ouais. Je vais te... Honnêtement, il y a deux façons de voir les choses. Soit on s'attache à l'image, soit on s'attache au fond. Le fond ou la forme. Jusqu'ici, et la démarche d'Olivier, par exemple, hier, on annule parce qu'on n'est pas assez nombreux. Ça, mais à peine c'est arrivé, pas crédible. À peine arrivé, il dit ça. C'est pas crédible. Il n'est pas le seul, il y en a beaucoup... Bon. Qui sont proches de lui ou moins proches, qui ont cherché à voir un peu ce qui se passait avec les méga-bassines, avec ceux qui arrivaient. Cette idée de converger, je pense qu'il l'a déjà eu depuis un moment, et beaucoup l'ont eu, quoi. Donc après, il y a l'occasion. Il se dit, ah ben, on n'a pas trop nombreux, il arrive, on annule. Voilà. C'est prétexte, pas trop nombreux. Il y a un prétexte. Donc moi, il y a un moment donné, moi, l'image, encore une fois, tiens, Leloup en a parlé dans son live de vendredi. Si on est attaché... Dans mon live. Pardon. C'est vrai qu'il a tendance quand même à être partout chez lui. Quoi. J'adorais hier. J'étais en train de parler. Attends, j'ai oublié de dire un truc hier, tu permets? Ouais, bah écoute, vas-y, je pensais que ça allait durer 2 secondes, tu vois, non. Paf! Bah non, il... ça, voilà. Le loup, savoir. Gros bisous, le loup. Ouais. Mais bon, donc tout ça pour dire, et ça, quand on a en face de soi quelqu'un qui s'attache plus à la forme qu'au fond, moi, je sais pertinemment qu'il est déjà en train de se gourer. Et quand en plus il essaye de me convaincre que j'ai tort, alors là, ça devient plus compliqué. Mais dans la démarche, l'image détestable, apprenons à nous aimer d'abord soi-même, quoi, parce que, et à se respecter. On parlait d'annulation de manif, on n'annule pas une manif, je suis désolé. Si tu te respectes un minimum, ça fait une semaine que, enfin, faut la déclarer, faut faire le parcours, faut faire le truc, le machin. Et comme ça, sur une idée de génie. Bah, quelque part, il pourra te dire ce qu'il veut. N'importe qui pourra te dire ce. Ils pourront tous te dire ce qu'ils veulent. Mais ça fait pas sérieux. C'est pas sérieux, ça peut pas être autre chose que pas sérieux. Bah non. C'est pour ça que. Parce qu'il y en a qui attendent, il y en a qui viennent, qui sont venus pour ça, pas pour autre chose. Et il y en a qui vont venir après en cours de route. Et à ceux qui ne voulaient pas venir, qui vont se dire bah, je ne viendrai pas parce qu'à un moment donné, on ne sait même pas si ça va durer. Là, tiens, samedi prochain, il y a un truc de préparé, déclaré. Et ça se trouve, au dernier moment, c'est annulé. Là, tu te dis bah, je ne vais pas y aller, on est sûr de rien. Alors, l'image, c'est pas une image rassurante, Luc. On n'est pas là ni pour rassurer, ni pour faire peur, ni. C'est pas ça. L'image rassurante, ouais, c'est. C'est pas sérieux, quoi. Ah oui, oui, non, mais je suis d'accord avec ça. Ça, mais encore une fois, on est sur un principe fondateur, fondamental. Si on attache plus d'importance à la forme qu'au fond, on est mort. On annule une manif parce qu'on n'est pas assez nombreux, c'est pas crédible, c'est tu ne te respectes pas au point de pouvoir être seul, en fait. Apporter ta parole. Après toi, tu voulais converger comme Maurice, alors converger, puis après encore reconverger, et à force de reconverger, de reconverger, il reste quoi? Vous avez fait une manif dans le métro, quoi. Non, mais hier, on n'a pas voulu converger, mais. Bah si, vous avez convergé avec Olivier. Non, mais c'est pas moi, j'ai pas déclaré, j'ai rien fait. C'est Maurice qui voulait converger avec Olivier.
Mais Maurice, il tente les explications avec les autres, avec tous les groupes et tout depuis un moment. Voilà. Ouais, mais là, il y a Convergence, plus encore Convergence. Donc après, ça fait quoi, bah... Non, mais hier, c'est Olivier qui déclarait la manif, qui l'a annulée, et qui a décrété, sous prétexte de pseudo-sondage, genre j'en ai parlé à tout le monde est d'accord, on les rejoint. Ça s'est transformé en sketch, où la manif, en fait, on a passé la journée à les récupérer, à essayer de les rejoindre, donc la journée dans le métro, pour arriver Croix de Chavot, à se faire lourder parce qu'on est, on fait pas partie du truc. Et moi, quand j'ai vu le sketch, moi je suivais le convoi de l'eau. Et puis, on arrive, c'est LGBTQ, Antifa, etc., que ça commence à s'embrouiller. C'est un traquenard. Mais de toute façon, j'ai dit à Maurice, Olivier, etc., quittez vos gilets jaunes, c'est pas la peine qu'on les voit à la télé. Ah. Pour être associé à ça, à cette... Ah bah, ça va loin. Voilà, je veux dire, on est là pour le coup, on parle d'image. Bah, derrière, bah ouais, il suffit de dire... Où met ta cagoule, hein. Voilà. Où tu... Fais la ramener les cagoules. Ah, mets ta cagoule. Donc ça fait partie de la manipulation mise en place pour amener les gens comme des petites souris dans l'enclos, tac, clac, clac, et puis jusque dans ce... Et en fait, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on s'est fait niquer. C'est pour ça qu'il faut passer par des principes de base fondateurs, mais il faut pas en démordre. Une fois qu'on est ancré sur une façon d'être, voilà, il n'y a plus à discuter, quoi. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Après. Ouais, voilà. Bon, après, les personnes, les manifestants diront ce qu'ils veulent. Toi, t'as dit ce que tu voulais, et puis quelque part, j'ai un peu dit aussi ce que je pensais. Mais beaucoup l'ont vu aussi. Hein. J'ai pas besoin de trop m'exprimer, vous avez vu ce qui s'est passé. Hein. Tout se voit. Tout se voit. Ah, c'est ça. Et le truc, c'est qu'il faut se garder d'interpréter les choses à l'aune de ce qu'on croit comprendre. Faut laisser, genre, les gens quand même aller au bout de leur démarche. À un moment donné, j'en ai croisé une. Attends. On sort... on sort à Bercy. Bercy quand même. Ah ouais, Bercy. Tu vois, on sort à Bercy. Et puis on remonte là, où on passe sous le pont. Tu vois, il y a un tunnel, etc. Ils étaient pas très loin. Ils étaient à vélo. On les voyait à l'œil. Et on a sorti du monde. Et là, on croise sur la route. Il y a une vieille qui est là, avec sa valise à roulette, et qui s'adresse à moi, qui me dit ouais, je suis sorti en fait à cause de vous, de la rame, je suis sorti à cause de vous, faudrait porter ma valise, quoi, maintenant. Donc une vieille, on va encore parler des boomers, on va encore déclencher un tsunami dans le chat. Bon, j'en parle 2 minutes. Et là, incroyable, quoi. Donc la stratégie, on se connaît pas. Pas bonjour, pas merde, pas rien. C'est, la nana m'explique que c'est de notre faute si elle est dehors et qu'elle est en train de marcher avec sa valise. À roulette quand même, hein. C'est un truc qu'elle a acheté exprès pour ça. Ça pèse rien. Tout le monde a déjà fait rouler une valise. Il y a 4 roues, etc. Tu sens pas le poids de la valise. Ben non. Elle a trouvé normal de venir m'agresser. Et elle aurait trouvé normal que ce soit moi qui lui porte sa valoche. On a affaire à des gens qui en fait, le paradigme est en train de changer, et ils continuent avec la culpabilisation et la domestication. C'est-à-dire qu'une fois que tu es bien culpabilisé, tu prends ça. Bah oui, je vais vous aider, madame. Ouais, convergence plus convergence égale divergence. Et Jed Humaine, vous parlez de quoi? C'est fatigant sur Facebook. Est-ce que je dois dire ça à l'antenne? N'étiez pas obligé de suivre. Ça sert à quoi de déblatérer? Ça sert à quoi de venir nous écouter? Vous avez les oreilles vierges? Quittez le direct. Ça sert à quoi de vous exprimer dans mon direct? Dites donc. Voyons. Alors. Mais
Mais oui. Vous savez où je peux trouver, il est fermé le tabac, je cherche des feuilles à rouler. Il y a un tabac qui est ouvert jusqu'à 3h du matin, même dimanche. Descends la rue qui est là, c'est à 5 minutes. Hein. Descends la, tu vois la rue qui est là. Ouais. Je répondais à un commentaire de Jade sur Facebook. Là, ça marche. Ça sent à quoi de déblatérer? C'est mon boulot de déblatérer. Et vous, votre boulot, c'est d'écouter avec vos oreilles. Chaste. T'en peux plus, bah vas-y, vas-y, je tiens le. Non, mais je vais trouver quelqu'un qui va. Ah. Qui va me filer 2-3 feuilles. Ah. Non, je suis parti. J'ai Lucky, parce que j'étais avec Lucky juste avant. Ouais. Faire un petit bisou à Audrey aussi. Alors qui m'a offert ça. C'est un collier de. Si elle est là, Audrey, rappelle-moi, je crois que c'est Ganache. Le dieu éléphant. Ganache, éléphant. C'est bien ça? Dieu Ganache. Parce que là, Gare du Nord, c'est aujourd'hui, là, c'est la fête de Ganache. Ouais. Et elle est allée. Du côté de Gare du Nord, il y a à récupérer ça, c'est du jasmin, c'est tissé dans une corde avec des nœuds, etc. Enfin, c'est un truc, je sais pas combien de temps. Il y a du boulot. Ouais, ouais, non, mais c'est. Sur du vivant, hein. Il faut se dépêcher de tisser avant que les fleurs, elles. Exactement. Elles s'écroulent, quoi. Donc, ouais, c'est du. Bon, après, ça peut être bon aussi quand c'est moisi. Et ça sent super bon, quoi. Le jasmin, ça sent super bon. Et donc, voilà, merci Audrey, elle m'a offert son collier de fleurs. Parce que le but, c'est de l'offrir à quelqu'un. Ganesh, ouais, voilà. C'est pas un peu en hommage à Hawaï? Pardon? Ça peut être pas un peu en hommage à Hawaï? Ouais, ouais. Ouais, possible aussi. Bon, on va dire ça. Ganesh, c'est une crème au chocolat, ouais. C'est Ganesh, ouais, c'est ça. Merci, Luc. C'est des cloches de coucou, les fleurs? Les cloches de coucou? Ça sent super bon. Ganesh, merci au bon. Ganesh. Ouais, donc dans cette période trouble, moi ce que je trouve hyper intéressant, c'est que les cloportes, les crevards, les profiteurs, ceux qui vous foutent la paille. T'as la paille comme ça là. Ah oh, voilà, dans le cerveau. Sur ton téléphone. T'as mis la tomate sur ton téléphone. Ah, ouais, c'est pas grave. Tomate. C'est peuvent plus se cacher. C'est fini. Donc en fait les choses vont dépendre de vous tout de suite. Elles dépendent de vous. Comment vous prenez les choses, sachant que à force de les prendre, à un moment donné, vous êtes quand même arrivé jusqu'à vous faire posséder, quoi. On vous a dépossédé. Voilà, comme dit qui est-ce qui dit ça? Ils ont fabriqué des sacrés imbéciles. Perdent du sens critique. Et il y a aussi une méconnaissance de l'histoire, une méconnaissance aussi de la réalité, de l'actualité, de la géopolitique, pas mal de choses, quoi. Et de qui fait quoi derrière, et, parce qu'il y en a beaucoup qui sont encore dans une religion. Et il y a encore la religion Mélenchon. Et je pensais pas qu'elle était encore là. Et je pensais qu'on était face à des gens sérieux et les pieds sur terre. Mais en fait, ils sont dans une religion Mélenchon. Mais allez voir, allez vérifier, c'est du délire. Ça porte fort, fort et très loin. Il y a une religion Mélenchon, c'est un truc de dingue. Mais tout est religion. Un truc de dingue. Mais pour la politique, la religion, ça va, quoi. C'est un truc de dingue. On n'est plus dans le bon sens. J'y pensais pas, hein, mais vraiment, elle est assez forte, cette religion. Et en fait... Enfin, on est beaucoup à être conscient, mais on n'est pas forcément conscient au même niveau dans ce puzzle. Et c'est pour ça que l'intelligence collective, c'est d'abord de comprendre qu'on n'est pas tous intelligents au même endroit, qu'on n'a pas tous les mêmes... comment dire, les mêmes... mais on a tous un morceau du puzzle, une compréhension d'un morceau du puzzle. Et c'est l'intelligence collective qu'il faut recréer, enfin recréer, qu'il faut aller retrouver en fait. Pour beaucoup, quand on se retrouve, on la retrouve, cette intelligence. Je ne sais pas comment expliquer ça.
Il y a des personnes avec qui c'est automatique, c'est tout de suite. On n'a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de protocole, de faut remettre les choses en clac, clac, clac. Fab, Gérard, c'est quoi la suite? Tu mets ta couche. Tu bouges plus, tu mets ta couche. Ouais, attention. Parce que là, après, ça va pas lui plaire. C'est quoi la suite? Bah, chacun gère sa vie, quoi. La suite, c'est que il y en a qui vont vous dire que ça va être dur. La suite, c'est celle qu'on en fera. Bah, ouais. C'est celle qu'on en fera. Ouais. En tout cas... Non, mais ils veulent un sauveur, donc ils veulent que tu décides. Ben voilà. Ça, c'est la question d'un mec qui attend un sauveur. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la fin du film? Bah, par épisode, comme sur Netflix. Ouais, voilà. Il va falloir un twister à la fin de l'épisode 1 pour que tu aies envie de voir l'épisode 2. Bah ouais, il faut que ça pète un peu. Et... Donc, bah t'inquiète. Problème-solution. Hier, c'était la fête de l'eau. La rentrée arrive, donc... La fête du lot, c'était pas la fête du slip, la fête de l'eau hier. La fête de l'eau, enfin, ouais. On part d'un truc, je sais pas si vous avez... Je vois passer des émissions et autres sur des questions qu'on se pose, tiens, oui, il faut se changer soi-même avant de changer les autres, etc. Enfin, il y a des lois universelles. Quand on dit, je le dis aussi, le temps n'existe pas. Le temps est, enfin, tout n'est qu'énergie, vibration, etc. Beaucoup de sciences et notamment les sciences de l'humain, soignent beaucoup de choses avec les ondes, avec la lumière, avec il y a des tas de choses qu'on, des sciences anciennes. Qui explique tout ça. Attends, j'en ai rien, il est pour moi celui-là. Chacun fait sa vie. Il faudrait peut-être filmer autre chose que les manifs. Bon, ça se voit que tu vois pas souvent, enfin, t'es pas tout le temps là. Rémi, tu connais pas trop, en fait. Tu ah, Luc, arrives. Ah, Luc aussi, justement, bah, tu lui fais bien. Je n'en suis pas, mais pas mal de personnes voient le CNT, le recours, le sauveur. Et c'est vrai aussi, ça. Pourquoi ouais. pas, ouais. Ouais, exact. Moi, hier, j'ai pas... En fait, on va avoir besoin de tout le monde. Ah, il est là, son... Non, il est là, ton... CNT. Ouais, le CNT. Mais le CNT, c'est quoi? On parle du CNT, en fait. On parle. Qui est allé voir le site d'Hémosophie Qui est allé voir, déjà, pour savoir de quoi c'est fait, qui fait les choses, etc. N'importe qui peut entrer dans Hémosophie, etc. Choir, on parle de la démocratie, c'est-à-dire faut réapprendre. La démocratie, parce qu'aujourd'hui on nous l'a donné à la béquée, on nous a dit vous êtes en démocratie, on l'a accepté et on nous a fait accepter le fait que pour être en démocratie il fallait qu'on vote, pour nos bourreaux et voilà, et quand je dis qu'à un moment donné il faut cranter, moi j'ai cranté sur la ligne de flottaison la ligne de flottaison sur un bateau. En dessous, tu coules. Au-dessus, tu peux encore espérer flotter. Moi, la ligne de flottaison de ceux dont j'ai pas besoin, parce que sinon je coule, élu, quel qu'il soit. Élu égale suspicion. Et élu député égale suspicion à 100%. Ces mecs ne servent à rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas un. Quand nous sommes allés déposer l'article 35 et l'article 68, je ne vais pas réexpliquer tout à chaque fois, ceux qui n'ont pas suivi, vous allez chercher et taper sur votre moteur de recherche préféré ce que sont l'article 35 et 68 et les raisons pour lesquelles on le déclenche. Personne n'a bougé son petit doigt. Personne. Y compris M. Dupont-Aignan qui était soi-disant avec... avec la rébellion, on va l'appeler comme ça, comme dans Star Wars, et qui, 9 mois après que nous l'ayons présenté au mois de novembre à l'Assemblée, vient nous reparler de l'article 68. Et là, on voit naître des articles, j'ai vu passer ça, comme quoi l'article 68 ne peut pas être mis en place parce que justement, les députés sous Sarkozy ont voté un truc qui n'est pas possible. Voilà. Donc, d'aucuns, et Luc, je suis content que tu fasses partie de la room, pourrait venir nous dire que tout ce qu'on a fait, ça sert à rien. Si, ça sert à quelque chose. Et je vais te dire à quoi ça sert. D'abord, 1,
ça sert à débusquer ceux qui nous expliquent que ça sert à rien ce qu'on a fait. Déjà. Parce que là, ça prouve juste une chose, c'est qu'à un moment donné, vous ne voulez pas voir plus loin que le bout de votre nez. Venir me dire à moi que ce que j'ai fait, ça ne sert à rien, il faut se lever de bonne heure quand même. Il y en a qui osent. Mais ce n'est pas grave, je vais expliquer pourquoi. Donc, un, vous ne faites pas l'effort de comprendre ce que j'explique. Deux, pourquoi ça a servi à quelque chose? Mais ça, moi, ça a servi à mettre la ligne de flottaison sur les députés. Ces gens ne servent à rien. On n'a rien à demander à quelqu'un qui est censé les cons te représenter et qui en fait ne te représente pas puisqu'il ne porte à aucun moment ta parole qui normalement dans les règles sur l'article 35 devrait être mise en œuvre de façon normale puisque ce sont les institutions. Donc ce qu'on a démontré sans avoir besoin que quelqu'un porte notre parole, c'est de dire ces gens-là ne servent pas nos intérêts, ils servent les leurs. Point barre. Article 35, étage du dessus, article 68, et article du dessus, droit de l'homme. Et donc, depuis le 3 janvier 2023, nous avons démontré que ce gouvernement est illégitime. Point barre. Maintenant, vous pouvez faire toutes les manifs que vous voulez pour demander que voilà, les méga-bassines, tout ça. On sera jamais sur le bon sujet puisque on est encore en train de se battre sur des sujets qui n'ont pas lieu d'être. En tout cas, tu es bien d'accord, si tu es en face de manifestants qui sont proches des politiques, c'est pas ce qui t'intéresse, quoi. Tu as des gens qui sont là en train de se battre contre des politiques avec des politiques. C'est pas intéressant. Si, c'est très intéressant de les voir faire. Mais quelle crédibilité je leur prête? Aucune. Zéro. En rien, ils ne font avancer une quelconque idée. Par contre, ils se nourrissent des tiennes. Hein. Faut savoir, les boules crottes se nourrissent de tes propres idées, puisqu'ils ont... C'est le mollusque, hein. C'est le degré, c'est l'encéphalogramme plat de la créativité, hein, les boules crottes. Donc, ils s'inspirent de ce qui se fait ailleurs, ils en perçoivent la substantifique moelle de l'apparence et se disent « putain, ça peut faire bien de faire ceci, de ça. » Voilà. Mais on s'attaque jamais au cœur du sujet, au cœur du fond. Et bien évidemment, puisqu'on a affaire à une... On aboutit à l'industrie du crétin qui nous a amené... comment dire? On a amené les gens à ne pas... à se désolidariser de leur libre arbitre et de leur... comment on appelle ça? La faculté de pouvoir... le libre arbitre, ouais, le... Alors j'ai un Philippe qui s'appelle Philippe Sage sur Facebook. Si vous aviez démontré que ce gouvernement était illégitime, ce gouvernement aurait dû démissionner. Mais non, mais ils ne sont pas passés chez Jacques Martin. Ils ne sont pas passés chez Jacques Martin, donc ça ne peut pas fonctionner, quoi. Non, puis je... Écoute... J'aimerais avoir ce pouvoir, tu vois, d'avoir raison, et qu'en face, ils admettent qu'ils ont tort, et que d'office, ils disent « bon, ok, c'est bon, on a tort, on préfère partir ». Bon, je sais pas lequel des deux fait le plus de rêves dans la nuit, mais... Il y a plein de choses qui peuvent être démontrées, ça veut pas dire que quelque part, ça s'écroule parce que c'est démontré. Non, ce qui est... On comprend ce qui est, voilà. Ce qui est difficile, là, ça fait... Ceux qui n'ont pas compris encore... Ou qui veulent pas comprendre. C'est qu'ils veulent pas comprendre. Ouais. Ils veulent pas comprendre que oui, l'étage d'après, l'étape d'après, elle viendra de vous. De vous. Tout, voilà. D'abord. Parce que personne viendra à votre secours. Personne. Personne viendra à votre secours. Et demain, quand ça va bien se durcir, vous allez mesurer le degré d'amitié qui vous lie avec les gens qui se disent être vos amis. Voilà. Ah oui, oui. Ah, mais oui. Pour vous aider, ouais. Voilà. Au besoin. Les gens qui sont dans la bienveillance, etc. Qui jusqu'ici, voilà. Non, ça va être terrible, ça va être terrible. D'admettre qu'on a eu tort jusque-là. Le Gabriel. Plus le fait de s'être fait. Bon, voilà, en tout cas, le constat à faire, c'est qu'on a affaire à des gens qui ne veulent pas votre bien. Philippe vous dit, et que vous a dit le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel? C'est qui le Conseil constitutionnel?
C'est peut-être qu'il veut me savoir si vous avez eu un retour par rapport à ce que vous avez envoyé, mais s'ils disent rien, c'est pas... le retour, il y a déjà une réaction qui répond ou pas. On a même envoyé un courrier à la Cour des droits de l'homme à l'ONU. Ok ? J'ai pas le retour de ça, mais c'est parti. Je sais qu'ils l'ont reçu au moment de la présidence russe. Attends, j'en ai un qui me dit, je suis d'accord pour Dupont-Aignan, il fait partie du game, il est young leader. Par contre, Philippot, il est en tête pour la destitution. Non, rejoignez mais... les patriotes. Mais destitution, ça change quoi, destitution ? Parlons de Philippot. Fais la promo pour Philippot, là. Si, Philippot. T'as envie de dire quelque chose ? Vas-y. Philippot, c'est quelqu'un qui, d'abord, il est passé combien de temps avec Marine Le Pen dans le game, hein, dans le game, avec Marine Le Pen ? Plus de 10 ans, je crois. Plus de 10 ans. Mm. Derrière, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, il n'était pas d'accord, il a quitté, il a fait son truc, il a fait son bise. C'est quoi son bise ? C'est quoi sa prochaine... c'est quoi son but, là, Philippot ? Il est en train de nous expliquer que, voilà, quand même, les élections européennes, ça peut changer les choses parce qu'il faut être dans le truc... Il a dit ça ? Ouais, enfin, en tout cas, il y a des élections européennes et il va y avoir des... Bon, en tout état de cause, il a des ambitions politiques, Philippot. Il a des ambitions politiques pour jouer avec les règles politiques qui existent déjà. Et promouvoir des élections sur ce qui va arriver en Europe, les élections européennes, là, oui, évidemment, pourquoi pas, mais on a déjà une Sylvie Joron qui fait le taf. T'as un Philippe qui te suit, hein, il te dit avant Le Pen, Philippot, il était chez Jean-Pierre Chevènement. Vous avez arrêté un épisode, monsieur. Oui, ouais, je suis pas censé tout connaître, hein, donc moi, ça me va bien de pas tout savoir. Mais en revanche, ce que je sais, et ce que je... Moi, mon avis sur Philippot est cerné, je l'ai cerné. C'est pas quelqu'un qui sert nos intérêts non plus, il sert les siens. Et ça, faut qu'il l'admette. Et je sais aussi, pour les avoir côtoyés, et je pense à quelqu'un en particulier, qui est allé partout, dans les groupes Gilets jaunes, les a fait toutes. Nadia. Non. D'accord, moi dis pas. Mais qui... Bah, c'est marrant, on parlait d'un truc. À un moment donné, et deux jours après, c'était dans le un sujet pris en à partie par Monsieur Philippot. Donc bien sûr qu'on a été les Gilets jaunes. Vous êtes des artistes. Vous êtes des purs. Vous êtes des vrais. Vous êtes descendus dans la rue. Il n'y avait pas de droite. Il n'y avait pas de gauche. Il n'y avait que de l'humain qui était à la fin du mois. Voilà, qu'on avait marre. 1,80€ le litre, ça portait des conséquences dramatiques. Ça fait descendre tout le monde pour dire basta, pour dire non. Donc ça, c'est du bon réflexe du français de souche, j'allais dire. Réfractaire, gaulois réfractaire. Ouais. Et puis, derrière, sur ce... Bah, parce que ça a commencé un peu quand même... Bon, comment on avait... Tout le monde était content de se retrouver. Tout le monde était un peu en colère, mais tout le monde était... c'était bon enfant et tout. Jusqu'à ce que ça commence à dire, bon, bah là, on va réprimer tout ça, là, parce que là, si ça continue, il faudra que ça cesse, ils ont dit. Donc, les Gilets jaunes se sont fait démonter. Il n'y a jamais eu une violence répressive sur aucun mouvement à ce point. Donc, bien sûr que ça, c'était nouveau pour beaucoup de monde. Et l'infiltration qui s'en est suivie derrière a perdu le mouvement en soi, a perdu sa saveur. Bon, ben, c'est pas grave. Aujourd'hui, on sait d'où ça vient, on sait pourquoi, on sait comment, les infiltrations, le tout-team, etc. Là, aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que si vous n'avez pas un état d'esprit vaillant, guerrier, combattant, qui consiste à repérer les chausse-trappes, les suceurs de moelle, les gens qui vont être d'accord avec vous sur 90% et sur les 10%, c'est eux qui vont faire la vente et vous mettre des fois même en situation de ne pas pouvoir vous
refuser la proposition qu'ils vous font. Sans déconner, il y en a des fois, c'est assez hallucinant. Je me dis, non, quand même, ils vont pas oser. Je sais plus que... C'est marrant, mais je perds des neurones en ce moment. C'est chauffant, ça, non ? Je sais pas, ça reposait. Mais l'histoire de la boomer hier avec sa valise, c'est ça. Les gens, ils se croient tellement autorisés à vous insulter, mais qu'ils prennent même plus de gants, quoi. Et c'est genre, ils ont été tellement habitués à traiter les gens comme des boys et à avoir des gens qui acceptaient par gentillesse, parce qu'ils voyaient pas trop l'irrespect. Jusqu'ici, ils ont cru que c'était l'alpha et l'oméga d'un mode de fonctionnement. Non, j'y vais. Bah, si vous trouvez quelqu'un qui a des feuilles, si vous pouvez les choper deux, trois. Des feuilles à rouler, ouais. Zora qui nous dit, êtes-vous capable de comprendre que tout ce mensonge a pour but de vous faire entrer de force dans un nouvel ordre coercitif ? Oui, on l'a compris. Le mot COP annonçant d'ores et déjà le flicage qui va suivre. COP ? COP, comme quoi ? COP. Ouais, COP, COP, c'est quoi ? Après, j'ai lu Zora, mais je le relis parce que ça fait deux fois que tu nous mets le commentaire. Après, vous me dites, Philippot, c'est le seul qui a. Après, je vois Ruffin. Mais vous cherchez des grands sauveurs. Il n'y a pas de grands sauveurs. Il n'y en a pas. Et aucune de ces personnes n'a la solution. Je suis pas contre Philippot. Hein. Mais il y a des politiques, je suis pas contre. Il y en a que je suis pas pour, mais il n'y a pas de grands sauveurs. Donc. Mais c'est pas la question, c'est toujours pareil. Moi, je suis en paix, moi, avec Philippot, Dupont-Aignan. Avec tous ces gens-là. Bon, vous voulez nous suivre, on part sur un live privé dans deux minutes. Parce que pourquoi je suis en paix moi avec eux ? Parce que je sais à quoi ils servent. Pour moi, ils ne servent à rien. Pour moi. Et pour nous. Et c'est pas eux qui sauveront qui que ce soit et quoi que ce soit. Mais ils sont là pour relayer des infos, des points. Parce que quelque part, je les sens. Enfin, je les espère un minimum sincères. Sur le fond de leur combat. Voilà, COP 21. Quand ils dénoncent des choses, j'estime qu'ils sont sincères. Voilà, je ne remets pas en doute leur sincérité. Mais ce qu'ils font de cette sincérité, c'est pour des buts purement personnels. Faut le savoir, faut le comprendre, ça. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, il reste 5 minutes. Après, on passe sur un live privé. Si vous voulez venir, c'est bouton rejoindre Accès Live. Bouton rejoindre Accès Live. Vous pouvez venir quand vous voulez. Après, sur iOS, sur un iPhone, il y a un lien qui vous a été proposé. On passe sur un YouTube privé, bouton rejoindre, accès live. Bon, en tout cas, à partir du moment où on a affaire à un politique, et ça va, c'est toute personne élue, hein, ça part du maire jusqu'à tout là-haut. Hein, et je ne mets personne là où je mets tout le monde dans la main, à partir de députés, et tout ce qui est au-dessus, poubelle. Poubelle, parce qu'à aucun moment je ne vois quelqu'un qui d'une manière ou d'une autre prend le risque de prendre un risque, celui du mandat pour lequel on l'a le mandat qu'on lui a confié quoi. On me dit l'apocalypse, ça veut dire les révélations. Et ben on y est, les révélations. Chacun s'en sert. C'est pas terminé. Chacun s'en sert comme il a besoin. Je pensais pas qu'on était vraiment dans une société aussi corrompue et que les gens autour de nous étaient aussi pour certains des faux rebelles. Beaucoup qui se sont affirmés comme des rebelles n'en sont pas. JB de potence, tiens, s'ils ne servent à rien, vous servez à quoi ? Alors j'aime bien la construction de la phrase. Ah oui, c'est bien ça. S'ils ne servent à rien, vous servez à quoi ? Pas mal. Alors d'abord, je me sers à moi-même, déjà. Avant de penser à eux. Non mais servir, ça n'est pas des machines. C'est une machine. S'ils ne servent à rien. Comme si on devait partir d'une hypothèse qu'ils servaient à quelque chose pour être bien avec soi-même. Non. Non. Moi je suis pas là pour servir, je suis pas une machine. Et moi je suis là pour servir personne non plus. Enfin, ça va quoi. Donc, on n'est pas des politiciens, on n'a pas un mandat, on touche pas 5000 plus à... par mois pour se faire coiffer je sais plus où et pour s'organiser des affrontements sur les plateaux pour ensuite être très content de continuer dans les bars et ou ailleurs. Tiens, je sais plus, tiens voilà, c'est Mila D et le capitaine Juvin Brunet. Juvin Brunet. Juvin.
Voilà, d'abord, Juvin Brunet n'est pas un politique. C'est un ancien militaire, un chef d'entreprise qui a monté sa boîte. Ouais, ça n'a pas plu parce qu'il a proposé des outils tech, comme il a créé sa boîte, ça ne plaît pas. Et il y en a qui vont te dire, il fait encore du pognon. Mais pour le moment... On met l'argent en masse. Pour le moment, de toute façon, dès qu'on a affaire à quelqu'un qui fait quelque chose, il faut le descendre. C'est du pognon. Voilà. Donc, mais concernant Juvin et le propos, le combat qui nous occupe, parce qu'à un moment donné, il faut sortir de la spéculation. La spéculation, c'est je tourne en rond sur je me cherche un nouveau sauveur, je raisonne, alors oui, alors lui, c'est ceci. Tiens, en gros, on ne réfléchit plus, on ne fait que penser en boucle à des trucs et en se disant, putain, c'est bon, j'ai la solution. Non, la solution, elle va être en se mettant les mains dans le cambouis et en travaillant la survie, mais au sens grégaire du terme. On va rentrer dans une période qu'on n'a jamais connue. Et pourquoi? Mais parce que c'est écrit. Tout est en train de se mettre en place. La France est à l'os et on est loin d'avoir fini, quoi. Que ce soit en électricité, on va manger grave. Donc là, ouais, ça va être compliqué. Si on ne sait pas organiser, ça va être très compliqué. Et pour revenir sur Juvin Brunet, on va passer un live privé. Je sens que ça va être... On y va, là. On en reparle sur le live privé, mais... Ouais. Moi, pour moi, Juvin Brunet, c'est quelqu'un qui a ma confiance, dans le sens où c'est quelqu'un qui s'implique, c'est quelqu'un... Il a fait 2 mois de tôle, c'est pas une médaille, mais presque. Et en tout cas, il doit prendre des précautions pour faire ce qu'il fait. Et que dans ce qu'il fait... Allez voir, il a fait une conférence, il est sur un tour de France de la résilience justement, où il explique le projet qu'il est en train de mettre en place, et il a besoin de tout le monde. Il ne le met pas en place pour lui, il le met en place pour ceux qui veulent bien. Allez voir la conférence d'Autun qu'il a tenue la semaine dernière, je crois, Autun, A-U-T-I-N, T-U-N, où il explique en substance le truc. On continue en privé. Merci Philippe, merci à tous. Et à très vite pour ceux qui savent, en communauté. Au revoir à tous ceux qui ne peuvent pas revenir. Bah, ceux qui ne veulent pas non plus, on s'en fout. Merci à tous. À tout de suite sur le PV. Ouais, ciao. Merci, soutien.